Les infos de Space News sont présentées le dernier jour de chaque mois à la jonction avec le suivant. Pour vous mettre au diapason et harmoniser vos fréquences individuelles avec celles du nouveau monde qui est en train de se déployer. Les informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les informations et actualités sont présentées par ordre alphabétique. Les urgences ou les extrêmes urgences sont présentées en premier et sont accessibles par tous et par toutes. Vient ensuite l'actualité présentée par ordre alphabétique de A à Z. Elles sont divisées en deux parties. La première partie est accessible gratuitement au grand public. La seconde partie est réservée aux sponsors des forfaits 1, 2, 3 et 4. La première partie présente des informations de nature que je qualifierais d'acceptable ou de moyennement perturbante selon votre degré d'éveil. Tandis que la seconde partie présente des informations inconnues du grand public et souvent explosives qui ne sont pas à prendre à la légère. Si vous décidez de rejoindre Space News, vous êtes averti, ayez une attitude responsable et faites-le en toute connaissance de cause. Au-dessus de chaque lettre, vous trouverez l'intitulé du thème ou des thèmes qui sont développés. Je vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance de tous les intitulés. En prenant en compte l'évolution des pandémies successives et ce qui a été implémenté, d'abord une attestation de déplacement qui s'est transformée ensuite en passe sanitaire, qui a lui-même évolué en passeport vaccinal, il est certain que ce dernier va connaître aussi dans un avenir proche une nouvelle évolution, celui d'un portefeuille d'identité numérique européen. Le projet d'identité numérique de la Commission européenne et du World Economic Forum, le Forum économique mondial,
est la création d'une identité numérique. La Commission européenne a proposé de mettre en place une carte d'identité numérique pour tous les citoyens, résidents et entreprises de l'Union européenne qui compte, je le rappelle, 27 pays ou États membres, une superficie géographique de 4,2 millions de kilomètres carrés et un total de 443 millions d'habitants. Ces habitants seront alors numériquement identifiés et surveillés et soumis à des programmes qui vont se développer dans un futur proche, comme le système de crédit social chinois, le crédit Sésame. L'application Sésame est un système d'évaluation du crédit social individuel introduit en 2015 qui utilise un système de notation pour les utilisateurs individuels en utilisant des informations en face à face mais aussi en ligne. Ce système de contrôle utilise les données d'Alibaba, une très grosse entreprise chinoise, pour calculer le score du consommateur et classer les citoyens sur la base d'une variété de facteurs comme la loyauté envers le gouvernement, la fidélité aux marques chinoises, à partir des interactions de la personne sur les médias sociaux et des achats effectués en ligne. Avoir un score élevé permet un accès plus facile à des prêts. Il simplifie l'accès à l'emploi et donne priorité lors de démarches administratives. Un score faible ou le fait d'être associé à quelqu'un qui en est un peut avoir une série de conséquences négatives. La baisse de la vitesse de l'Internet, l'accès plus difficile à des offres d'emploi, à des prêts ou des démarches administratives plus lentes. Le système a été dénoncé comme un outil de surveillance de masse et de conformisme par des organisations spécialisées dans les droits de la personne. L'Union européenne vise de son côté à créer un portefeuille d'identité numérique pour chaque Européen dans lequel il aurait son identité et les données personnelles qui seront indispensables dans la vie quotidienne. Comme par exemple, ouvrir un compte en banque, déposer sa déclaration d'impôt, s'inscrire dans une université, prouver son âge pour l'accès à certains lieux, accéder aux services publics, notamment hospitaliers et de santé. Ce portefeuille est présenté comme un outil fiable et sécurisé, visant à faciliter les démarches administratives des citoyens européens ainsi que pour les entreprises. La Commission européenne souhaite la mise en place par les États membres de l'UE d'une boîte à outils commune comprenant l'architecture technique, des normes et des lignes directrices relatives aux bonnes pratiques d'ici à septembre 2022. L'entreprise Thales travaille à ce portefeuille d'identité numérique
sous le nom de Digital ID Wallet. Une vidéo de promotion a été présentée sur YouTube le 27 mai 2021. Je vous ai mis le lien en jaune en haut à droite pour que vous puissiez prendre connaissance de son contenu. Dans cette vidéo, le Digital ID Wallet est émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité et il est considéré comme un moyen pratique de prouver et protéger son identité aussi bien virtuellement qu'en face à face. On voit une personne utilisant cette identité numérique intégrée à son portable sous forme de QR code pour effectuer ses démarches quotidiennes comme le rappel de son rendez-vous pour la vaccination ou bien pour s'identifier auprès d'un examen lors d'un concours. L'identité numérique concerne aussi l'activité touristique qui facilite les voyages de manière plus sûre et fluide. Un traçage permanent avec le risque d'une dérive vers une société de surveillance numérique, une hégémonie en marche silencieuse. Une identité numérique indispensable sans laquelle vous ne pourrez accéder à certains services. Lentement, vous devez maintenant être identifié pour pouvoir avoir accès à votre appartement pendant la pandémie en Chine. Voici le bracelet que portent les personnes qui sont détectées positives à la COVID-19 en Chine. La modélisation du système nécessite une mise à niveau et la correspondance des données, souvent volumineuses, de chaque personne. Le code d'identification biométrique nécessite que le système de reconnaissance faciale de tous les lieux publics d'une zone spécifique soit remis à zéro. L'identification numérique biométrique et le code unique pour chaque personne est en cours de modélisation et de déploiement. La vitesse de modélisation des données, qui est faite par ordinateur évidemment, est plus rapide que la vitesse de saisie de ces données personnelles. La dernière pandémie à Shanghai a servi de base de données pour effectuer l'enregistrement massif des données personnelles et un test de dizaines de millions de personnes à Xi'an est également achevé. Mais ces premiers tests ont démontré qu'à Shanghai seul, près de 537 000 personnes ont plusieurs identités, voire plusieurs dizaines de cartes d'identité. L'identité de ces personnes qui avaient été relevées lors du test de la COVID font dorénavant l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24 pour les débusquer et les arrêter. Il en va de même pour les personnes aux USA et en Europe. Le fondateur du Forum économique mondial, le professeur Klaus Schwab,
auteur du livre « La grande réinitialisation », n'avait-il pas écrit que la quatrième révolution industrielle allait conduire à la fusion de notre identité numérique, physique et biologique? Eh bien, nous y sommes. En pleine guerre commerciale sino-américaine, le voyage du dirigeant chinois Xi Jinping en Italie et sa rencontre avec Giuseppe Conte en 2019 est devenu l'itinéraire le plus important du 21e siècle. Non seulement à cause de l'accord qui a été signé concernant l'initiative Belt and Road ou Au bord Europe, qu'ont aussi signé la Grèce, le Portugal, la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie, tout autant que la Belgique et la France. Des accords de financement ont été signés pour la construction d'infrastructures dans les transports et le renforcement des échanges culturels et scientifiques, ainsi que pour le développement durable et pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Mais également à cause de l'intégration de l'Italie dans l'initiative chinoise, on réalise encore plus l'importance de ce voyage lorsque l'on connaît l'histoire des familles royales et celle des jésuites. Des accords ont certainement dû être passés dans les coulisses et notamment la reconnaissance du nouveau leadership de la Chine par Massimo. Pour prendre connaissance du rôle des familles royales, veuillez visionner la vidéo Volte-face numéro 2 accompagnée de son direct sur ces questions. Nombre de personnes prétendent que nous créons notre propre réalité, ignorant complètement le fait que personne ne peut créer une réalité librement choisie sans informations précises sur ce qui se passe. Les contrôleurs ont tout simplement réécrit l'histoire de la Terre et de notre civilisation. C'est l'histoire racontée et inventée par les vainqueurs. Même les théories du complot ont aussi été mises en ligne pour influencer les populations. Ils empoisonnent le référentiel d'informations à la disposition de l'humanité, de sorte que la réalité que les terriens créent est déterminée par ce que les contrôleurs racontent. Ainsi, les terriens finissent par créer la réalité que les contrôleurs dépeignent. La guerre en Ukraine a pris une tournure ésotérique, avec les deux parties procédant à des incantations de masse par les sorcières ukrainiennes d'un côté et par les chamans sibériens en Russie de l'autre, qui invoquent les forces de guérison spirituelle et de protection de leurs pays respectifs. L'alchimie est l'état le plus élevé de la magie noire, en rassemblant de l'énergie pour réaliser des souhaits. Les Illuminati, par exemple, ont absorbé
l'énergie des jeunes, de l'industrie du divertissement à travers le monde et l'ont transformé en un flux constant de pouvoir pour créer un nouveau monde. Depuis 2019, la souveraineté nationale du Royaume-Uni et celle des États-Unis a été levée. Poutine est en train lui aussi de démanteler le pouvoir de la Fédération et son État souverain en désintégrant la Russie. Il en sera de même pour d'autres pays et tout est organisé pour que le nouvel ordre mondial devienne une communauté planétaire de destin, unifiée et connectée, heureuse et qui vit sur une planète saine. Le nouvel ordre mondial et la mondialisation ne se sont pas toujours faits en douceur, mais les difficultés n'ont pas empêché sa réalisation. Avec le nouvel ordre mondial 1.0 et l'agenda 2021, le postulat était qu'il n'y aurait pas de guerre nucléaire et pas d'énormes changements géophysiques. Ce serait une transition en douceur. Avec le nouvel ordre mondial, version 2.0 et l'agenda 2030, les questions climatiques ont été négociées par le G20 et la décision fut prise que les changements géophysiques, les extrêmes climatiques, seraient la direction ferme que prendrait le nouvel ordre mondial. Toutes sortes de crises sont donc dorénavant à prévoir, car elles sont créées pour détruire l'ancien ordre et l'ancien monde pour en construire un nouveau, et la reconstruction post-catastrophe est donc à l'ordre du jour de l'agenda 2030. Lorsque les contrôleurs du nouvel ordre mondial 2.0 détruisent l'ancien ordre existant, ils font le ménage pour faire de la place à un nouveau monde et ils sauvent la planète. Leurs actions, qui tiennent compte de l'ignorance des foules, scotchées à leur télé, à leurs jeux vidéo et toutes leurs drogues, leur permet de nettoyer la planète et de la rendre de plus en plus habitable pour les survivants. En termes de catastrophes créées de toutes pièces, il y a bien sûr la gestion artificielle du climat, mais l'attaque de Poutine contre l'Ukraine l'est aussi. Elle prépare la deuxième présidence américaine de M. Casino, en cas de succès, et ce n'est pas évident puisque l'on voit qu'actuellement Biden fait le contraire, M. Casino retirera les USA de l'OTAN. La Russie sera alors intégrée à l'Union européenne et la Corée du Nord sera réformée et libéralisée. En 2018, lors de la rencontre entre M. Casino et Poutine, son ancien conseiller John Bolton a révélé que Poutine attendait que les USA soient retirés de l'OTAN et que M. Casino l'aurait fait s'il avait gagné le second mandat. Bolton a aussi dit que l'intérêt de Poutine pour l'Ukraine était de trouver les serveurs sur lesquels se trouvaient tous les documents d'Hillary Clinton. Tous les événements et les structures mises en place actuellement sont tout orientées vers le déploiement concret
du Nouvel Ordre Mondial 2.0. Pour ce qui concerne le nucléaire en Russie, le ministère russe de la Défense a officiellement soumis au club Bilderberg et au comité tripartite deux plans de frappe nucléaire. L'une est une frappe sur le sol ukrainien et l'autre une frappe sur les USA. La suite de cette partie se trouve sous la lettre W, Troisième Guerre mondiale, World War III. Alors que le monde se concentre sur l'Ukraine, l'OMS s'est discrètement réunie pour promouvoir un traité mondial sur la pandémie qui obligerait les pays membres à une réponse coordonnée à la prochaine pandémie en jetant les bases d'un pass vaccinal international. Le 13 avril 2022, Bill Gates a annoncé sur la plateforme TED's Talk que les êtres humains entreraient dans une ère sans épidémie et que les informations biologiques de chacun seraient partagées et suivies en temps réel. Le système d'exploitation informatique de Bill Gates sera au service de l'Internet des personnes et de leur corps. L'effet de pôle magnétique du cercle polaire arctique se déplace à grande vitesse sur une vaste zone et atteint maintenant la Turquie. Ce que vous devez réaliser, c'est que la banque de graines mondiale se trouve maintenant dans le cercle polaire arctique où elle fleurira au printemps, tout comme l'Antarctique, avec tous les risques dont j'ai déjà précédemment parlé. La contre-attaque du Deep State devient de plus en plus importante. Q, Justice et la force chinoise dans les coulisses qui manipule le récit de QAnon et des White Hats. Les drops de QAnon provenaient d'un ordinateur quantique et étaient mis en ligne tous les jours. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez vérifier. Le niveau le plus élevé des élites chinoises est constitué d'agriculteurs qui contrôlent les connaissances et la technologie réelle sous l'égide des jésuites presbytériens. Les Chinois ont remis l'usine Tesla en fonctionnement après la pandémie et cette usine appartient à Shanghai FAW, qui est un producteur d'automobiles. Les géants de la technologie de ce monde, dont Musk, les robots intelligents, l'intelligence artificielle, la 5G et d'autres technologies sont tous directement sous leur contrôle. Leur technologie est tellement avancée que même QAnon et M. Casino n'ont pas osé désobéir. Les théories du complot sont réelles finalement. Ces secrets disparaîtront dans l'ancien monde avec ceux qui les connaissent, notamment toute l'équipe du Nouvel Ordre Mondial version 2.0. Rien de tous les mensonges et de toutes les manipulations qui ont eu lieu dans l'ancien monde
ne doivent être transférées dans le nouveau. Tout doit repartir de zéro. Tous les contrôleurs, sous la guidance de Klaus Schwab et son équipe, ainsi que lui-même, disparaîtront et ne seront plus présents dans le nouveau monde. Le secret reste secret. Ils font partie des acteurs du Nouvel Ordre Mondial version 2.0 et ils ne peuvent pas aller dans le nouveau monde. La machine a remonté le temps du Vatican, le chronoviseur, qui fut créé par deux physiciens, dont l'un que vous connaissez mieux maintenant, qui est Werner von Braun, et un savant moine bénédictin italien, Don Pellegrino Ernetti, a été jusqu'à aujourd'hui au service du Nouvel Ordre Mondial. L'histoire a été adroitement remaniée en y mélangeant des récits de personnes prétendant être des personnes du futur pour éveiller la curiosité des auditeurs et leur imagination. Comme indiqué précédemment, le ministère russe de la Défense a officiellement soumis au club Bilderberg et au comité tripartite deux plans de frappe nucléaire. L'une est une frappe sur le sol ukrainien et l'autre une frappe sur les USA, notamment le parc de Yellowstone. La Russie s'est retiré à la frontière de l'Ukraine et se prépare à mener la guerre nucléaire. Les armes nucléaires stratégiques de la Russie sont en attente. La première vague de points d'attaque sont la côte est des États-Unis, le parc Yellowstone, plus exactement à l'extrémité est de la faille de Saint Andreas, et il y en aura d'autres. Tout ceci est organisé à la fois à un niveau terrestre, au travers des élites et des organismes discrets, ainsi qu'à un niveau extraterrestre, sur Terre et dans l'espace. Toutes les lignes de temps sont déjà prévues et dessinées. La Chine et l'Union européenne sont stationnées par voie maritime, terrestre et aérienne aux frontières de la Russie et de l'Ukraine. L'Iran, de son côté, attend que la flotte russe de la mer Noire quitte le détroit du Bosphore en Turquie. Il attaquera la Syrie avec la marine russe d'est en ouest et attaquera Israël dans le sud. Cette série d'opérations militaires fera exploser une guerre nucléaire apocalyptique. Mais il se peut que cette solution ne soit pas choisie et celle de la frappe sur la faille de Saint Andreas soit préférée. Mais un grand nombre de médecins militaires sont stationnés dans l'est de l'Ukraine, évacuant les personnes âgées, les faibles, les malades et les handicapés, et distribuant des substances antinucléaires et antivirus. L'État profond, le Deep State, quant à eux, transporte des fournitures militaires d'Europe vers l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré à CNN que tous les pays du monde devraient être préparés
à la possibilité que le président russe Vladimir Poutine puisse utiliser des armes nucléaires tactiques dans sa guerre contre l'Ukraine et de la menace d'une troisième guerre mondiale. Dmitri Medvedev, de son côté, a précisé auprès du Guardian le cadre strict qui occasionnerait le franchissement de ce point de non-retour. Nous avons, dit-il, un document spécifique sur le sujet de la dissuasion nucléaire. Il indique clairement les bases sur lesquelles la Fédération de Russie peut légitimement utiliser ses armes nucléaires. Le premier cas est celui dans lequel la Russie est frappée par un missile nucléaire. Le second désigne toute utilisation d'une autre arme nucléaire contre la Russie ou ses alliés. Le troisième serait une attaque contre une infrastructure vitale qui paralyserait nos forces de dissuasion nucléaire. Et finalement, le quatrième cas serait un acte d'agression contre la Russie et ses alliés, menaçant l'existence du pays lui-même, même sans utilisation d'armes nucléaires, c'est-à-dire avec l'emploi d'armes conventionnelles. La CIA dispose d'outils pour pirater des puces dans des voitures, des camions, des avions et des dispositifs médicaux qui pourraient être utilisés pour faire ressembler des assassinats à un accident. Ce sont aussi des agents infiltrés de la CIA qui gèrent les zombies et les attaques associées. Début 2022, une équipe spéciale de la CIA qui s'était infiltrée à Shanghai a été anéantie dans le district de Jing'an. Résultat, une opération qui était menée à New York avec des zombies a échoué car elle était organisée et gérée depuis Shanghai. Le Deep State, l'État profond capitaliste qui contrôle le développement unipolaire du monde, a été encerclé et anéanti. Et la dernière étape, Shanghai, est en cours. L'écrasement des forces capitalistes de Shanghai est un élément central de l'établissement d'un nouvel ordre mondial 2.0. Le compte à rebours de la bataille finale pour nettoyer l'état profond est en attente avec ses plus grands avions de chasse prêts sur une base aérienne. Vous pouvez, comme d'habitude, lister vos questions dans les commentaires de ce post sous l'onglet « Communauté ». Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.